le paysan qui travaille, le religieux qui prie, le noble qui défend le pays. Voilà l'armature de la société française depuis des siècles. Un véritable socle immuable, solide comme l'éternité. Car aussi longtemps qu'on aura besoin de manger, on aura besoin des paysans. Aussi longtemps que Dieu existera, on aura besoin d'hommes pour porter sa parole. Et aussi longtemps que la guerre sera là, on aura besoin d'hommes pour la faire. La guerre, Dieu, la faim, ces trois mots, parce qu'ils définissent le genre humain, font de la noblesse, du clergé et du tiers-état un ordonnancement que rien ne peut remettre en cause. Rien sauf le temps qui passe et qui transforme lentement tout ce qui paraissait immuable. Si les religieux croient toujours en Dieu, le tiers-état n'est plus uniquement composé de pauvres paysans. Le temps transforme l'immuable et redistribue les fortunes. Les bourgeois, c'est-à-dire le tiers-état favorisé des villes, qui s'étaient élevés grâce au commerce et aux négoces, avaient vu leur richesse tant s'accroître qu'ils s'étaient transformés au XVIIIe siècle en une force redoutable. La noblesse, quant à elle, ne se battait plus physiquement sur les champs de bataille depuis bien longtemps, mais conservait tous les leviers de commande du pays. La bourgeoisie, devenue maintenant très puissante, pense que cet état des choses ne peut plus se perpétuer. C'est pourquoi Antoine Barnave, un jeune avocat de Grenoble, prononce dans un discours au Parlement local cette phrase d'une importance décisive. Une nouvelle distribution de la richesse entraîne une nouvelle distribution du pouvoir. Les problèmes économiques vont précipiter les choses et donner à la bourgeoisie l'occasion inespérée d'agir. La situation financière du royaume est alarmante. La banqueroute menace. Dans le système parfait de l'Ancien Régime, les nobles et les ecclésiastiques, ne travaillant pas de leurs mains, étaient fort logiquement exemptés d'impôts depuis toujours parce qu'ils n'avaient pas de moyens concrets de subsister. Au début du règne de Louis XVI, Turgot essaie bien d'étendre l'imposition jusqu'à eux. Mais puisqu'ils ont le pouvoir de défaire les projets de réforme, leurs privilèges restent intacts, tout comme le désastre financier. Celui-ci ne sera pas atténué par la politique d'emprunt systématique de la royauté. La moitié du budget de l'État passe dans le recouvrement de la dette. Le petit peuple est donc toujours plus malheureux. Et il est un fait de dire que l'expansion économique de la bourgeoisie ne lui a pas profité. Toutes les conditions sont alors rassemblées pour le transformer en bélier prêt à charger. « 1788,
C'est décidé. Le roi réunira les états généraux l'année suivante pour tenter de trouver une solution à la catastrophe. À Arras, un jeune homme de 30 ans accueille la nouvelle avec le plus grand intérêt. C'est Maximilien de Robespierre. Après de brillantes études au collège Louis-le-Grand à Paris, il est revenu au pays pour exercer la profession d'avocat au début des années 80. Pendant toute la décennie, il navigue entre les petits succès et les revers, et finit par tourner en rond et s'ennuyer dans ce milieu où sa personnalité frondeuse et sans concession ne lui a pas valu que des amis. La vie de la cité l'intéresse capitalement. Et puisqu'en ce début de 1789, on va élire les députés pour les états généraux, il décide de sauter le pas et de se présenter aux élections pour la députation d'Arras. L'essentiel de sa campagne électorale prend la forme d'un mémoire qu'il intitule « Appel à la nation artésienne sur la nécessité de réformer les états d'Artois ». Ce mémoire contient une phrase explosive. « La plus grande partie des hommes qui habitent nos villes et nos campagnes sont abaissés par l'indigence à ce dernier degré de l'avilissement où l'homme, absorbé tout entier par les soins qu'exige la conservation de son existence, est incapable de réfléchir sur les causes de ses malheurs et de reconnaître les droits que la nature lui a donnés. » Cette phrase est inouïe, car un homme vient crier aux pauvres que ce n'est pas la fatalité qui les a fait pauvres. Il les exhorte à réfléchir à leurs conditions, à tenter d'analyser pourquoi ils en sont là, et leur révèle que sans qu'ils le sachent, ils ont bel et bien le droit de s'en sortir s'ils s'en donnent les moyens. Le 5 mai 1789, les états généraux s'ouvrent donc à Versailles. Robespierre se sent dans son élément. Pour lui, les choses sérieuses commencent vraiment maintenant. Il est très sûr de lui, imperturbable. Mais pour le moment, personne ne le connaît. Pour jouer un rôle important, il lui faut parler. Alors il prend la parole et reprend la parole. Il a du mal à s'exprimer clairement. Il a des problèmes d'allocution parfois, mais il insiste, malgré l'indifférence ou le regard ironique des autres. Il a créé un monstre inconcevable en morale et en politique, et ce monstre n'est autre que le veto royal. Pour s'investir davantage et se lier à d'autres députés, il fréquente un club politique établi dans la ville de Versailles et acquis aux idées nouvelles, le Club Breton. Déjà, il juge que beaucoup de députés parmi ses collègues du tiers-état ne sont ni très sérieux ni très intègres, et constate que ces derniers sont surtout de riches bourgeois. Que pourront-ils vraiment pour le peuple? Cette bourgeoisie a compris que le moment d'agir est venu. Elle a comme arme sa légitimité émanant du peuple et la faiblesse du roi. Le 17 juin, elle y va au culot. Puisqu'elle estime représenter la quasi-totalité du peuple, elle décide de se transformer en Assemblée nationale et planifie la rédaction d'une constitution pour le pays. La révolution vient de commencer. Le roi ne bouge pas, si ce n'est pour prendre acte, et finalement approuver. La bourgeoisie a le sentiment d'avoir gagné. Mais la victoire sera de courte durée. L'approbation du roi était seulement feinte. Pour tenter de reprendre le contrôle de la situation, il fait déployer des troupes autour de Paris. Et surtout, renvoie le directeur général des finances, Necker, qui était favorable à la bourgeoisie d'affaires étant banquier lui-même, pour le remplacer par le baron de Breteuil, conservateur acquis à l'aristocratie. Alors la bourgeoisie abat son ultime carte. Le peuple, affamé et en colère. Elle le laisse s'armer pour faire pression sur le roi et l'obliger à céder. C'était les journées des 12, 13 et 14 juillet 1789. Heureux imprévu, le 14, une fois le peuple lâché, celui-ci fera même tomber le symbole de l'absolutisme royal en voulant piller les munitions qui y étaient gardées. Le coup de force est payant, le roi recule, rappelle Necker et éloigne ses troupes. Maintenant, la bourgeoisie devra se débrouiller pour récupérer les armes qu'elle a mises en circulation dans la population.
En attendant, elle crée sa milice, habilement appelée garde nationale, pour se protéger du roi et surtout maintenir l'ordre social. À présent, l'Assemblée est officiellement une Assemblée nationale constituante et va donc doter la France d'une constitution. Parallèlement, elle doit aussi s'occuper des affaires du pays, à commencer par trouver le moyen de renflouer les caisses de l'État. Ce moyen est tout trouvé. On va s'emparer des biens du clergé et les vendre pour faire rentrer de l'argent frais. Dans la rue, la colère n'a pas diminué et le pain manque toujours. L'émeute menace encore. À l'automne, le peuple de Paris ramène la famille royale au plus près de lui dans la capitale, au palais des Tuileries. L'Assemblée suit le mouvement, ainsi que le club breton, qui s'appellera désormais le club des Amis de la Constitution, mais que l'usage appellera vite le club des Jacobins, car s'étant installé dans le couvent des Jacobins. Il va être d'une importance immense pour Robespierre, car plus que n'importe quel organe, ce club où l'on discute en Assemblée des affaires du pays va faire l'opinion publique, influencera la politique, et va par là même se construire une autorité morale colossale. Robespierre, infatigable, multiplie les interventions à la tribune de l'Assemblée nationale comme aux Jacobins, et n'a de cesse de parler des nécessiteux. « Quand le peuple a faim, il s'attroupe », dit-il à ceux qui voudraient oublier la cause des désordres pour seulement les réprimer. Ses interventions, toujours en faveur des plus pauvres, irritent et poussent parfois les autres députés à lui couper la parole. Mais Robespierre insiste. Pour lui, la révolution, si elle a un sens, doit profiter au plus grand nombre, et surtout, doit respecter à la lettre les principes qu'elle proclame. « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », disent les constituants. Libres. Pourquoi ne pas avoir aboli l'esclavage ? Ce principe s'efface devant les intérêts du lobby esclavagiste présent à l'Assemblée. Égaux en droit. Dans ce cas, pourquoi avoir prévu que seuls les hommes payant un certain niveau d'impôt auront le droit de voter ? Un système où ceux qui n'ont rien pourraient voter fait peur. Il ne pardonne pas aux constituants de vouloir partager la masse des Français en deux catégories. Ceux qui payent des impôts et ceux qui n'en payent pas. Ceux qui payent des impôts auront seuls le droit d'entrer dans la garde nationale. Inadmissible pour Robespierre. Une garde nationale doit être la nation entière pour défendre les droits de tous, ou alors elle ne sera que le bras armé de la classe aisée. La garde nationale doit donc être ouverte à tous sans distinction sociale. Cette idée qu'il doit développer dans un discours est tellement intolérable qu'une fois de plus, on ne lui laisse pas la parole. Il pourra tout de même lire son discours aux Jacobins. Et il demande de plus que trois mots soient inscrits sur les uniformes des gardes et sur leurs drapeaux. Liberté, égalité, fraternité. Sans que personne ne le sache, pas même lui, il vient de lancer ce qui deviendra longtemps après la devise de la France. Il a maintenant bien compris, malgré des avancées indiscutables, les constituants ne font que faire avorter la révolution, et ils le dénoncent sans ménagement. C'est en vain que vous prétendez diriger par les petits manèges du charlatanisme une révolution dont vous n'êtes pas digne. Vous serez entraînés comme de faibles insectes dans son cours irrésistible. Vos succès seront passagers comme le mensonge, et votre honte immortelle comme la vérité. Estimant que le peuple ne sera jamais la préoccupation première de cette assemblée, il propose qu'aucun des députés en fonction ne puisse se représenter pour la législature suivante. Cette mesure est acceptée par ses collègues, mais pour une raison très concrète. On sait le roi et sa famille prêts à quitter le pays d'un jour à l'autre, pour revenir ensuite avec une armée étrangère, écraser l'assemblée et rétablir la situation d'avant 1789. Personne n'a envie d'être un député périssant sous un hypothétique feu royal. Alors tout le monde est d'accord pour laisser sa place. Comme on le craignait, le roi, poussé par sa famille, décide bel et bien de fuir. Mais la tentative va avorter, et tout le monde sera ramené à Paris.
Le peuple se sent trahi et ne veut plus reconnaître Louis XVI comme son roi. La foule se réunit alors sur le Champ de Mars pour signer une pétition demandant sa déchéance. L'assemblée se retrouve très embarrassée. Le roi a beau avoir trahi, on a encore besoin de lui pour approuver la constitution en train d'être achevée. Manquer de fermeté face à la manifestation du Champ de Mars risquerait de compromettre tout le travail accompli. Alors l'assemblée n'hésite pas et décide de réprimer le rassemblement. Ou, comme elle l'a décrété en termes choisis, on ordonne la dispersion. C'était le 17 juillet 1791. Les troupes commandées par Lafayette ne feront pas de détails contre cette masse qui, n'ayant même pas le droit de vote, ose se mêler des affaires du pays. Les gardes feront plus que disperser. Elles poursuivront les fuyards jusque dans les rues avoisinantes. La ville est plongée dans la peur jusqu'au soir. On ne saura jamais exactement le nombre de morts. Peut-être une centaine, peut-être plusieurs centaines, peut-être un millier. On craint que ce massacre soit le signal d'une vague de répression s'abattant sur les défenseurs du peuple. Robespierre, cloîtré dans le club des Jacobins pendant ce temps, se sent premier concerné et redoute pour sa vie. Rentrer chez lui à l'autre bout de Paris est trop risqué. Alors un de ses amis du club lui offre l'hébergement. C'est le citoyen Duplay, qui habite juste à côté, rue Saint-Honoré. Robespierre accepte volontiers et finira par s'installer définitivement chez lui. La fermeté de l'Assemblée aura été payante. Le roi accepte la Constitution le 13 septembre 1791. Ce jour-là, pour la première fois de son histoire, la France change de régime et devient une monarchie constitutionnelle. Octobre 91, une nouvelle assemblée siège. C'est la législative, majoritairement composée de députés plutôt conciliants avec le roi. L'ancien tiers-état bourgeois ayant fini par obtenir ce qu'il voulait depuis 1789, beaucoup considèrent que la révolution est maintenant finie. Mais pour d'autres, une révolution ne peut pas se terminer avant d'avoir été consolidée et avant d'avoir réduit à néant ses ennemis. Et des ennemis, le nouveau régime en a. Ils sont à l'intérieur du pays, mais ils y sont aussi à l'extérieur, du côté de la Prusse. Ce sont tous les nobles français émigrés qui veulent s'organiser avec les puissances étrangères pour combattre la France révolutionnaire. La guerre menace et tout le monde la veut. La cour veut que l'étranger lui vienne en aide et que l'ancien régime soit rétabli. L'Assemblée la veut, par patriotisme, mais aussi pour des raisons moins avouables. L'argent récupéré sur les biens de l'Église ne rentre pas assez. Les assignats qui étaient gagés sur eux sont dépréciés. Il faut donc trouver de l'argent ailleurs, et envoyer accessoirement à la guerre les masses populaires turbulentes et toujours prêtes à l'émeute. Robespierre a d'abord été pour la guerre, mais a fini par comprendre que tout l'interdit. L'essentiel des officiers aristocrates sont partis. L'armée n'est donc pas prête. Donc, si la France entre en guerre, elle aura toutes les chances de la perdre, et la révolution sera anéantie, ce que cherche le roi. Vouloir la guerre, c'est donc faire le jeu de la cour, et il est plus urgent de s'occuper des ennemis intérieurs. Cette position que Robespierre défend est largement minoritaire, y compris chez les Jacobins, sur lesquels il a malgré tout de plus en plus d'ascendants. Robespierre se trompera si peu dans son analyse que Marie-Antoinette dira en parlant des députés favorables à la guerre: les imbéciles, ils ne voient pas que c'est nous servir. Le problème pour la cour est que les puissances étrangères ayant leurs yeux tournés vers la Pologne et voulant garder leurs forces intactes pour s'y attaquer, ne veulent pas intervenir du côté de la France. L'Assemblée décide de contraindre l'Autriche à la guerre et lui envoie un ultimatum. Celle-ci le repousse, et le 20 avril 1792, la guerre est déclarée. Afin de mettre toutes les chances de son côté, Marie-Antoinette, reine de France,
communique à l'Autriche les plans de bataille des Français, ce qui relève de la haute trahison. Les choses tournent mal d'entrée, et les armées françaises se font battre en Belgique ou reculent sans affronter l'ennemi. L'inquiétude s'empare de Paris, et l'Assemblée législative décrète l'envoi depuis toutes les provinces de 20 000 fédérés pour la protection de la capitale. En juillet, sachant que des bataillons armés étaient en partance pour Paris, les Autrichiens, faute de pouvoir immédiatement attaquer la ville, envoient une proclamation dans laquelle ils préviennent que Paris sera anéanti s'il est fait le moindre mal à la famille royale. C'était le fameux manifeste de Brunswick. On espérait que la population et les fédérés, tremblant de peur, se trouveraient paralysés. C'est en fait l'indignation qui a éclaté. Le manifeste ne fait qu'apporter la preuve que les cours étrangères se rangeaient bel et bien du côté de Louis XVI. Alors à nouveau, après juillet 91, on exige la déchéance du roi. Robespierre la demande, les sections de sans-culotte également. L'une d'elles lance même un ultimatum à l'Assemblée pour l'obliger à discuter la déchéance du roi avant le 9 août. Rien ne viendra. Alors le 9, en fin de soirée, le tocsin sonne. Dès le matin du 10 août, le peuple, cette fois-ci non instrumentalisé par la bourgeoisie, prend d'assaut la demeure du roi. Les Tuileries sont attaquées. Louis XVI est attaqué. En pareille situation, tous ses aïeux auraient réprimé l'émeute avec une grande fermeté. Lui ordonne à ses gardes suisses de ne pas faire feu et de se retirer dans leur caserne, pendant que de son côté, il trouvera sagement refuge dans l'assemblée voisine. Mais les aristocrates restés dans le château n'abandonnent pas et déclenchent une terrible fusillade. Les fédérés marseillais et bretons arrivent en renfort et avec les sans-culottes remportent la confrontation. L'événement est inimaginable. Le jour même, alors que l'on massacre à tout va aux Tuileries, les sections parisiennes de sans-culottes se constituent en commune insurrectionnelle qui s'occupera des affaires de la ville à la place de l'ancienne municipalité modérée. Robespierre en prend la tête et réclame sur le champ la formation d'une nouvelle assemblée constituante élu au suffrage universel sans distinction. À partir de maintenant, le pouvoir passe au peuple. Robespierre a aussi demandé que soit créé un tribunal criminel d'exception pour juger les traîtres du 10 août et tous les autres individus coupables d'agissements contre-révolutionnaires depuis longtemps. Mais ce tribunal travaille trop lentement au goût des sans-culottes et semble trop clément, car la plupart des suspects arrêtés sont remis en liberté peu après. Pendant ce temps-là, la guerre continue. Les Prussiens ont commencé à pénétrer dans le pays. Longwy est tombé, suivi de Verdun fin août. La route vers Paris est maintenant ouverte. Les aristocrates dans les prisons voient dans cette invasion l'arrivée de leur sauveur et se réjouissent bruyamment. Une justice spéciale peu efficace vis-à-vis des suspects. Des aristocrates qui acclament les défaites des armées révolutionnaires. Robespierre à la tête de la commune qui chauffe les esprits à blanc. Un nouveau visage dans la révolution, Danton, qui fait de la surenchère lui aussi et attise l'excitation générale en demandant de l'audace et encore de l'audace pour que la patrie soit sauvée. Il n'en fallait pas davantage pour que la fièvre populaire se transforme en hystérie vengeresse déferlant dans les prisons. Ce furent les épouvantables massacres de septembre à Paris. Des antirévolutionnaires ou des gens vus comme tels, exécutés sommairement, et surtout, une majorité de prisonniers de droit commun mis à mort. C'est pendant ces événements terribles que se déroulent les élections pour la nouvelle assemblée. Le peuple votera pour des électeurs qui, à leur tour, désigneront les députés. Robespierre est candidat à la députation de Paris. La désignation des députés parisiens se fera, à son initiative, chez les Jacobins même, à haute voix et sous les yeux, pour ne pas dire sous la surveillance, de ses partisans les plus acharnés. Il sera le premier élu, Danton le deuxième.
est élu aussi à la députation de Paris le jeune frère de Robespierre, Augustin. De son côté, le gouvernement provisoire, mis en place après le 10 août, usera aussi de tous ses pouvoirs pour favoriser l'élection de candidats plus modérés dans les départements. Mais que ce soit à Paris ou ailleurs, le nouveau suffrage universel ou quasi-universel, les femmes et ceux ne vivant pas du fruit de leur travail en étaient en effet exclus, n'apportera qu'une quantité négligeable de nouveaux suffrages. Et parmi ces derniers, ceux des petites gens analphabètes des campagnes s'exprimeront suivant les recommandations des riches bourgeois et des notables. Cette nouvelle assemblée, la Convention nationale, ainsi constituée en septembre 1792, présente deux grandes tendances aux contours plus ou moins flous. D'un côté, les révolutionnaires les plus intransigeants, dont font partie Robespierre et Danton. Comme ils siègent sur les gradins les plus hauts, on les surnomme les Montagnards. De l'autre côté, les députés, qui, bien que faisant partie du club des Jacobins pour beaucoup, ont des idées plus modérées et montrent un attachement primordial au droit de propriété et à la liberté économique la plus grande. On les a plus tard surnommés les Girondins, car certains de leurs meneurs l'étaient. Et nous avons entre les deux une masse importante de députés, la majorité, se tenant à l'écart de ces deux tendances et faisant pencher les votes d'un côté ou de l'autre. La Convention se réunit pour sa première séance le 21 septembre 1792, et son premier acte sera d'abolir la royauté en France. Et le lendemain, sur la proposition de Biot-Varenne, elle décrète que tous les actes publics seront désormais datés de l'an 1 de la République française, qui se trouve ainsi proclamée par ce biais. Une des premières tâches de la Convention est de s'occuper du sort du roi, emprisonné depuis le 10 août. Elle décide de le juger elle-même. La quasi-totalité des députés le considère coupable, mais les Girondins veulent lui épargner la guillotine, ne serait-ce que par la crainte que son exécution ne provoque une grande coalition des monarchies européennes contre la France. Robespierre, laissant de côté les arguments concrets et objectifs que l'on pourrait évoquer contre le roi, leur oppose celui-ci, philosophique. « Je prononce à regret cette fatale vérité, mais Louis doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive. » L'Assemblée le suivra et votera la mort avec une majorité de plus de 50 voix. Les Girondins contestent ce scrutin et en demandent un autre. Ils l'obtiendront. Et après différents achats, marchandages et autres intrigues, feront progresser largement les votes contre la mort et manqueront la majorité pour une seule voix. Le 21 janvier 1793, Louis XVI sera donc exécuté. Et toutes les cours d'Europe se coaliseront effectivement contre la France. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Fin 92, la jeune République avait remporté deux importantes victoires à Valmy et Jemappes, la sauvant provisoirement. Mais au début de 1793, les Austro-Prussiens ayant achevé leurs opérations en Pologne se retrouvent les mains libres pour lancer une offensive plus conséquente contre la France. La patrie est de nouveau en danger et on décide une levée en masse de citoyens pour la défendre. Pour éviter cette fois-ci que la peur ne déclenche une hystérie collective et meurtrière comme en septembre 92, Danton demande immédiatement la création d'un tribunal révolutionnaire pour s'occuper des suspects dans le calme, autant que faire se peut. De concert avec Robespierre, il demande aussi la création d'un comité de salut public. Il sera sous la coupe de la Convention, comme les autres comités déjà existants. Ses membres seront renouvelés ou reconduits tous les mois, et sera chargé de faire face aux dangers qui assaillent le pays en ce début d'année. Les revers de l'armée aux frontières, les mouvements sociaux nés du manque des subsistances, et le soulèvement de la Vendée qui rejette la Révolution et dont les habitants refusent de s'enrôler dans les armées révolutionnaires pour aller défendre les frontières de l'Est.
À l'intérieur de la Convention, la guerre aussi fait rage. Les Girondins attaquent sans relâche la députation de Paris et Robespierre, qu'on accuse d'aspirer à la dictature. Celui-ci est obligé de se justifier à plusieurs reprises, mais s'attire surtout la haine de ses opposants en voulant proposer certains articles à la nouvelle constitution en préparation. Ils concernent un sujet particulièrement sensible, le droit de propriété. Vous avez multiplié les articles pour assurer la plus grande liberté à l'exercice de la propriété. Et vous n'avez pas dit un seul mot pour en déterminer le caractère légitime. De manière que votre déclaration paraît faite non pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs, pour les agioteurs et pour les tyrans. Je propose de réformer ces vices en consacrant les vérités suivantes. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l'obligation de respecter les droits d'autrui. Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l'existence, ni à la propriété de nos semblables. Ces attentats aux droits de propriété et à la liberté économique sont totalement intolérables pour les Girondins, pour qui c'en est trop, et qui appellent les départements à se soulever contre l'influence des montagnards. Pession et Vergniaud lancent des appels à la guerre civile. Isnard menace Paris de destruction. Une fois de plus, les choses s'emballent. Les Girondins demandent l'élimination de la Commune de Paris et du Club des Jacobins. En réponse, les sections de sans-culottes exigent l'exclusion de l'Assemblée des meneurs girondins. Une première insurrection éclate le 31 mai 1793, et le 2 juin, la foule entoure la Convention qui était maintenant établie au château des Tuileries et obtient d'elle le renvoi des députés incriminés, 29 en tout. On a demandé la mort de ces députés exclus. Robespierre insiste pour qu'ils aient la vie sauve et qu'ils soient seulement assignés à résidence. Ceux-ci le seront effectivement, mais la plupart réussiront à s'enfuir de Paris pour pousser la province à l'insurrection, si bien que quelques mois plus tard, 60 départements sur 83 avaient pris feu. Les Girondins restés à Paris passeront finalement en jugement à la fin de l'année avec d'autres de leurs collègues, et 21 seront condamnés à mort. Le 24 juin 1793, la nouvelle constitution est votée. Elle est plus soucieuse d'équité sociale par rapport à celle de 1791, mais devra attendre que le pays soit pacifié avant d'être appliquée. En fait, elle ne le sera jamais. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. Tous les hommes sont égaux, par la nature et devant la loi. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi. Sa limite morale est dans cette maxime. Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité. Il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires. Elles ne peuvent être considérées comme des distinctions, ni comme des récompenses, mais comme des devoirs. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ni limité. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. En juillet, le comité de salut public renouvelé accueille de nouveaux membres, dont Saint-Just et Couthon, deux fidèles de Robespierre. Ce dernier était invité à l'intégrer en même temps qu'eux, mais il a refusé. Une responsabilité pareille en des temps aussi troublés l'a peut-être effrayé, à moins que ses problèmes de santé permanents l'aient dissuadé. Deux semaines après, un des membres du comité s'en va et Robespierre est à nouveau appelé. Cette fois-ci, il ne peut plus refuser et accepte d'entrer dans ce qui est considéré comme l'organe dirigeant de la Révolution et de la France. Le voilà aux plus hautes responsabilités du pays. Nous sommes le 27 juillet 1793 et il ne reste à Robespierre qu'un an et un jour à vivre. C'est le moment de regarder de plus près qui est cet homme. Il est né à Arras, le 6 mai 1758. Son père est homme de loi, sa mère fille de brasseur, et donneront à Maximilien deux sœurs et un frère, Charlotte, Henriette et Augustin. Pendant les premières années, la vie s'écoule sans histoire, jusqu'à ce que la mère meure en couche en 1764. C'était en 14 juillet. Maximilien avait 6 ans à peine. Le père inconsolable devient alors très instable et part fréquemment de la maison familiale pour de très longues périodes, abandonnant pour ainsi dire ses enfants, lesquels seront recueillis par les tantes et les grands-parents. On finira par le perdre totalement de vue. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'on découvrira qu'il est mort à Munich en 1777. Ses enfants ne l'auront jamais su. Maximilien sera durement marqué par cette période, et en conservera un sentiment de trahison et d'abandon qui le tourmenteront toute sa vie. Il n'évoquera jamais le souvenir de son père. Lorsqu'il est collégien à Louis le Grand, il ne se mélange pas aux autres. Il a le caractère d'un solitaire. Ce sont des années très dures, pendant lesquelles il manque parfois du nécessaire, et se réfugie corps et âme dans l'étude. Cela lui vaudra d'être considéré comme le meilleur élève du collège, et sera à ce titre désigné pour lire en compliment à Louis XVI et à Marie-Antoinette revenant de leur sacre. Voluis satis, nec numera, parva respiris, non si prescribat carmina febus. Physiquement, il est de taille moyenne pour l'époque, autour d'un mètre 65. Et tous les témoignages contemporains sont d'accord sur deux choses. Son teint est très pâle et son regard est tout à fait inexpressif. Ses yeux verts paraissent vides. Quant à sa voix, elle est criarde, avec semble-t-il un léger accent du Nord. Il a des tics nerveux dans les épaules et le cou. Il a notamment la manie de cligner exagérément des yeux, ce qui a le don d'agacer ses interlocuteurs. On le dit très orgueilleux, très autoritaire, notamment aux Jacobins devenus sa chose et dont il entend diriger la marche. Sa santé est très mauvaise. Des fièvres à répétition, des problèmes respiratoires, des saignements de nez, qui peuvent parfois le tenir éloigné pendant des jours de la vie politique. Lorsqu'il accepte de s'installer chez Duplay, il trouve dans la maison de ce dernier un chef de famille, une mère de famille et des enfants à peine moins âgés que lui. Non, 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 je ne change pas de moi,
une famille de substitution, des parents de cœur, qui lui procuraient ce qu'il n'avait presque pas eu. Les Duplé l'adoraient et l'admiraient comme un fils. Éléonore, l'une des sœurs Duplé, le voyait comme un futur mari. Mais pour Maximilien, il n'y a pour l'heure aucun amour charnel qui tienne en face de la mission primordiale et ultime qu'il a décidé de mener coûte que coûte. Et maintenant qu'on lui a offert de participer au gouvernement, il va travailler. Jusqu'ici, le comité de salut public n'avançait guère. Les choses vont dorénavant changer. On va d'abord s'occuper de l'armée, en très mauvaise posture en Vendée et aux frontières. Pour Robespierre, il ne sert à rien d'envoyer toujours plus de nouveaux soldats se faire tuer sur le front si le commandement des généraux laisse toujours à désirer. Par-dessus le marché, ceux-ci sont encore parfois issus de l'aristocratie, d'où leur peu d'empressement à faire triompher les troupes de la Révolution. Alors, chose inédite et scandaleuse pour certains, on va s'occuper des généraux. Ceux manquant à leurs devoirs sont donc punis et remplacés par des hommes neufs et dignes de confiance. L'armée est également réorganisée sérieusement. Saint-Just, envoyé en mission dans l'Est, améliore les conditions de vie des soldats en obligeant s'il le faut la riche noblesse locale à se mettre à contribution. Alors les troupes révolutionnaires relèvent la tête et emportent des succès décisifs sur tous les fronts, grâce à Hoche, Pichegru, Carnot et Jourdan. Les Vendéens subissent de lourdes défaites face à Kléber et Marceau. Si bien qu'à la fin de 1793, la guerre s'est presque entièrement éteinte en Vendée, provisoirement. Pendant ce temps à Paris, le peuple gronde toujours. L'extrême gauche et les sections de sans-culottes réclament plus que jamais une loi imposant un maximum du prix des denrées. Les Jacobins ont toujours été partagés sur cette mesure, mais Robespierre y tient, car elle représente un principe essentiel. Pour lui, si quiconque est libre de s'enrichir s'il le veut, personne n'a le droit de le faire en spéculant sur les produits de première nécessité comme le pain. Jusqu'ici, l'influence des Girondins empêchait de voter ce maximum, mais l'occasion de l'imposer va venir en septembre 1793. L'été, les troubles sociaux et les difficultés militaires font craindre l'émeute. Encouragé par les appels à la révolte, lancés notamment par Danton, qui reproche au comité de salut public de ne pas assez travailler, et par Royer, membre des Jacobins, qui demande que la terreur soit mise à l'ordre du jour. Dans ce contexte, l'annonce de la chute de Toulon, livrée aux Anglais par les royalistes et par deux amiraux, déclenche de nouvelles émeutes à Paris, poussées par les sans-culottes. Le 5 septembre, la foule se dirige une nouvelle fois vers la Convention, présidée par Robespierre, non pour demander de nouvelles têtes, mais pour exiger des mesures radicales. Parmi ces mesures arrachées aux députés, le fameux maximum, et une autre, terrible. Que l'on poursuive et anéantisse tous ceux coupables à des degrés divers de contre-révolution. Que l'on s'en prenne non plus à quelques personnes clairement hostiles à la révolution, mais à n'importe quel individu qui aura un comportement suspect. Barère, du comité de salut public, va donc proposer les premières mesures de terreur qui seront votées par l'Assemblée. Celles-ci seront appliquées par le comité de sûreté générale, l'organe policier de la Révolution. ...1794 arrive, et ce sera la dernière année de Robespierre. Le 5 février, ou 17 pluvioses du calendrier républicain en vigueur depuis l'automne précédent, il monte à la tribune pour prononcer un discours capital. Un discours où il vient exposer à la France ce qu'il veut pour elle, cet idéal de bonheur qui va au-delà de la politique et qui doit régénérer le genre humain. Quel est le but où nous tendons ? La jouissance paisible de la liberté et de l'égalité, le règne de cette justice éternelle, dont les lois ont été gravées non sur le marbre ou sur la pierre, mais dans le cœur de tous les hommes, même dans celui de l'esclave qui les oublie et du tyran qui les nie. Nous voulons substituer dans notre pays la morale à l'égoïsme, la probité à l'honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l'empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l'insolence, la grandeur d'âme à la vanité,
l'amour de la gloire à l'amour de l'argent. Les bonnes gens à la bonne compagnie. Le mérite à l'intrigue. Le génie au bel esprit. La vérité à l'éclat. Le charme du bonheur aux ennuis de la volupté. La grandeur de l'homme à la petitesse des grands. Un peuple magnanime, puissant, heureux. Un peuple aimable, frivole et misérable. C'est-à-dire toutes les vertus et tous les miracles de la République. À tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. Nous voulons, en un mot, remplir les vœux de la nature, accomplir les destins de l'humanité, tenir les promesses de la philosophie, absoudre la providence du long règne du crime et de la tyrannie, que la France, jadis illustre parmi les pays esclaves, éclipsant la gloire de tous les peuples libres qui ont existé, devienne le modèle des nations, l'effroi des oppresseurs, la consolation des opprimés, l'ornement de l'univers, et qu'en scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir briller au moins l'aurore de la félicité universelle. Voilà notre ambition, voilà notre but. Quelques jours après, il tombe malade et reste cloîtré chez les Duplay, assommé par la fièvre. Mais il ne cesse de penser à ces deux courants opposés dans la marche de la Révolution et auxquels il doit faire face. Ceux qui voudraient assagir la Révolution au risque de l'étouffer et ceux qui voudraient la durcir au risque de la rendre barbare. Ces derniers parlent par la voix d'Hébert et menacent continuellement Paris d'insurrection avec les sans-culottes, leurs principaux soutiens. Le comité de salut public prend alors la décision d'arrêter Hébert et ses principaux partisans en mars. Ils sont jugés en 4 jours et guillotinés. Les sans-culottes en restent figés de stupeur, écœurés. C'est maintenant Danton qui pose problème, car il n'a cessé de s'opposer au comité de salut public depuis que Robespierre y est. Il a poussé lui aussi les sans-culottes à l'insurrection avant le 5 septembre. Il a encouragé des mouvements de déchristianisation, restés marginaux, dont Robespierre ne voulait pas. Et enfin, Danton, voyant que la situation militaire s'améliorait, avait demandé que l'on mette un frein à la terreur et surtout qu'on ouvre les prisons. Robespierre admet qu'il y a indéniablement dans les prisons de prétendus détenus politiques qui n'ont rien à y faire car dénoncés calomnieusement. Mais libérer tout le monde sans distinction était remettre immédiatement en circulation aristocrates et autres contre-révolutionnaires très dangereux pour la République. Robespierre ne voyait dans les agissements de Danton que des tentatives de déstabilisation d'une République dont ce dernier ne voulait pas. Alors, après avoir toujours repoussé ce moment, il lui faut frapper Danton pour sauver la République. Le 29 mars, les comités de salut public et de sûreté générale se réunissent. Et à l'unanimité, moins de voix, signe l'ordre d'arrestation de Danton et de ses partisans. Il sera jugé par le tribunal révolutionnaire qu'il a lui-même créé. Sans doute se défend-il trop bien, car le procès sera écourté et le verdict rendu rapidement. Ce sera la mort. La charrette l'emmenant à l'échafaud passe devant la maison de Duplay, alors qu'il pousse ses derniers hurlements contre Robespierre, à qui il annonce qu'il tombera lui aussi. Danton est mort. Il n'avait pas 35 ans. Au printemps 1794, Robespierre en est arrivé à se faire un nombre d'ennemis considérable.
les anciens dantonistes survivants, une partie des sans-culottes dont l'élan fut brisé par l'élimination des chefs d'extrême-gauche. Il y a aussi les représentants en mission, envoyés dans les départements pour soumettre les populations en insurrection et qui s'y comportent d'une manière atroce, comme Carrier à Nantes ou Fouché à Lyon. En apprenant ces exactions, Robespierre fait immédiatement rappeler à Paris ceux qui en sont responsables et les transforme par conséquent en ennemis jurés. Il pourra aussi compter comme ennemis les membres du comité de sûreté générale. À cause de leur gestion brutale des affaires de police, Robespierre va créer un bureau de police général au sein même du comité de salut public, réduisant d'autant leurs attributions. Robespierre pressent de plus en plus que ses jours sont comptés. Il se sent attaqué par les gens qui lui en veulent, accablé par la maladie et le surmenage. Depuis des mois, la mort rôde en permanence. Son tour va venir forcément, il le sait. Alors perdu pour perdu, il décide d'enfoncer le clou. Le 7 mai, il monte à la tribune de l'Assemblée et se lance dans ce qui a été vu comme une folie. Exposer son arrière-pensée mystique et proposer d'en faire une loi pour le bien de la République. L'immoralité est la base du despotisme, comme la vertu est l'essence de la République. L'idée de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme est donc un rappel continuel à la justice. Elle est donc sociale et républicaine. Et il propose, entre autres, le décret suivant. Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Ainsi, Robespierre, qui était croyant, clame que la spiritualité, loin d'être anti-révolutionnaire, est indispensable pour construire une société d'espérance et de confiance. Mais voulant en faire une loi, il commet la grande contradiction de vouloir instituer une sorte de croyance d'État après avoir défendu jusqu'ici la liberté de conscience. Pour accompagner ce renouveau, il fait instituer une grande fête pour célébrer l'être suprême. Elle se tiendra le 20 prairial, c'est-à-dire le 8 juin. Ce jour-là, tous les conventionnels sont présents et marchent en procession avec en avant d'eux Robespierre qui vient d'être élu à nouveau président de l'Assemblée. Il est dévoré de fièvre, mais les témoins diront plus tard qu'ils ont vu ce jour-là sur son visage un sourire et un éclat qu'ils ne lui avaient jamais vu. Il est ovationné par le peuple et au sommet de sa gloire. Ses adversaires, plus décidés que jamais, voient cette histoire d'être suprême comme la dernière des idioties, et le raillent, plus ou moins ouvertement. Il semble que Robespierre ait entendu ce qui était dans le meilleur des cas des moqueries, dans le pire des cas des menaces. Il rentrera totalement découragé le soir chez les Duplay, et très sombre, lâchera « Vous ne me verrez plus longtemps ». Maintenant, il le sait, il va périr dans peu de temps. Mais il va se débattre autant que possible. Dès le lendemain, il charge Couthon de mettre au point une loi terrible. Celle qui accélérera la terreur en simplifiant la procédure de jugement des suspects. Entre autres, le tribunal révolutionnaire n'aura plus à choisir qu'entre l'acquittement ou la mort. C'est la loi du 22 prairial que l'ensemble du comité de salut public a approuvée. Robespierre veut s'en servir pour abattre rapidement une poignée d'hommes seulement, mais emploie pour cela une arme d'une dangerosité extrême et qui ne peut que s'emballer. Le jour de son adoption par l'Assemblée, il préside et exige un vote massif en faveur de la loi. Les députés, impressionnés par sa présence, n'osent pas s'opposer et votent la loi. À l'extérieur de l'Assemblée, ses ennemis, eux, ne se laissent pas impressionner et vont plus que jamais œuvrer contre lui. Au comité de sûreté générale, Vadier, qui ne lui pardonne pas d'avoir empiété sur ses prérogatives, va instrumentaliser contre lui l'affaire d'une vieille illuminée qui prétendait voir en Robespierre un nouveau messie. C'est pour Vadier un bon moyen de le ridiculiser, lui et sa doctrine de l'être suprême, y compris devant l'Assemblée. Quelques jours après, on envoie à l'échafaud une jeune fille, vraisemblablement victime d'une machination du comité de sûreté générale. On a voulu faire d'elle la coupable d'une tentative d'assassinat sur Robespierre.
On l'accompagne dans la mort de plusieurs membres de sa famille et d'autres innocents que l'on présente comme des complices. 54 personnes en tout. Tous ces malheureux revêtus de la chemise rouge des régicides. Voilà ce qu'il en coûte de s'en prendre à Robespierre, signifie par là ses ennemis, auteur de la sentence. Robespierre le veut. Il fut tout à fait étranger à l'affaire. Fin juin, la tension est devenue insupportable au comité de salut public. Lors d'une séance, le 28, Robespierre voudrait, semble-t-il, obtenir le renvoi de Fouquier-Tinville, l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, qui fait tomber les têtes à un rythme effréné. Le ton monte, et une grave altercation éclate, durant laquelle Carnot traite Robespierre de dictateur. Celui-ci claque la porte du comité, sans avoir obtenu le renvoi de Fouquier-Tinville. Il n'y apparaîtra plus pendant plus de 3 semaines, ainsi qu'à la Convention. Robespierre est dans un état d'épuisement avancé. Voilà plus de 5 ans qu'il subit une pression terrible, qu'il vit dans un stress continuel, qu'il accumule les nuits blanches à travailler, que chaque jour est un jour de combat. C'est un homme totalement surmené, moralement et physiquement. L'écroulement n'est pas loin. Durant cette période de repli, il ira tout de même de temps en temps aux Jacobins, mais se tiendra éloigné du pouvoir. Pendant ce temps, le comité de sûreté générale va rendre la guillotine frénétique. Sur 1 mois, elle fera plus de victimes que dans l'année qui a précédé. Depuis sa retraite, Robespierre s'indigne à plusieurs reprises contre la manière dont sont appliquées les lois de Prairial. Il ne voulait pas pareil carnage, rien n'y fera. Des centaines d'innocents sont jugés sommairement et exécutés. Robespierre le veut. Le comité des finances baisse les salaires drastiquement. Robespierre le veut. Le piège de l'identification au pouvoir qu'il avait suscité se referme sur lui, et petit à petit, les faubourgs se retournent contre celui qu'il chérissait. Du côté de la guerre, les Français, qui avaient déjà repris le dessus, emportent en juin un succès décisif à Fleurus en Belgique. Décisif parce que plus aucune armée ennemie ne menace maintenant la France. Pour les robespierristes, il n'y a plus qu'une chose à faire, la paix avec les pays vaincus. Mais pour d'autres, c'est interrompre la guerre au moment où elle va enfin commencer à rapporter, comme on l'espère depuis 92, violant en cela le principe qu'avait adopté la jeune révolution de ne plus faire de guerre de conquête. Carnot envoie l'ordre de piller la Belgique. Robespierre est furieux, c'est déshonorant, c'est la honte de la République. On arrive dans les derniers jours de juillet 1794, et c'est la fin. Les deux comités ont décidé d'essayer de recoller les morceaux et organisent 2 réunions communes, les 4 et 5 Thermidor. Robespierre est prié de se rendre à la seconde, ce qu'il fait. Malgré les grandes tensions qui règnent, on trouve le moyen de s'entendre. Saint-Just est chargé de rédiger un rapport sur l'état des institutions qu'il lira à l'Assemblée. Mais ce rapport promet d'être trop conciliant aux yeux de Robespierre. En effet, Saint-Just compte passer sous le silence l'être suprême et l'immortalité de l'âme, et tient à être respectueux à l'égard de la Convention et de ses membres, dont certains sont vus comme des traîtres par Robespierre. Se sentant une nouvelle fois trahi, il sait qu'il n'a plus rien à attendre de personne et décide de vider son sac. Il annonce qu'il fera un grand discours à la Convention le 8 Thermidor, où il dira tout ce qu'il a sur le cœur. Il passe toute la nuit précédente à l'écrire, il y jette ses dernières forces. Le 8 Thermidor, ou le samedi 26 juillet 1794, Robespierre monte à la tribune de la Convention et va y prononcer ce qu'il pressent certainement être son dernier discours. Citoyens, que d'autres vous tracent des tableaux flatteurs. Je viens vous dire des vérités utiles. Je ne viens point réaliser des terreurs ridicules répandues par la perfidie. Mais je veux étouffer, s'il est possible, les flambeaux de la discorde par la seule force de la vérité. Je vais défendre devant vous votre autorité outragée et la liberté violée. Je me défendrai aussi moi-même. Vous n'en serez point surpris. Et les mises au point commencent d'entrée. La première est de dénoncer les abus de la terreur. Est-ce nous qui avons plongé dans les cachots les patriotes et porté la terreur dans toutes les conditions?
Ce sont les monstres que nous avons accusés. Est-ce nous qui, oubliant les crimes de l'aristocratie et protégeant les traîtres, avons déclaré la guerre aux citoyens paisibles, érigés en crimes ou des préjugés incurables ou des choses indifférentes, pour trouver partout des coupables et rendre la révolution redoutable au peuple même? Ce sont les monstres que nous avons accusés. Il tient ensuite à se défendre d'être un tyran. Il m'appelle tyran. Si je l'étais, il ramperait à mes pieds. Je les gorgerais d'or. Je leur assurerais le droit de commettre tous les crimes et ils seraient reconnaissants. Il disait, voilà des malheureux condamnés. Qui est-ce qu'en est la cause? Robespierre. On s'est attaché particulièrement à prouver que le tribunal révolutionnaire était un tribunal de sang, créé par moi seul, et que je maîtrisais absolument pour faire égorger tous les gens de bien, et même tous les fripons, car on voulait me susciter des ennemis de tous les genres. Ce n'est pas tout. On a proposé dans ces derniers temps des projets de finances qui m'ont paru calculés pour désoler les citoyens peu fortunés, et pour multiplier les mécontents. J'avais souvent appelé inutilement l'attention du comité de salut public sur cet objet. Eh bien, croirait-on qu'on a répandu le bruit qu'ils étaient encore mon ouvrage? Après ces justifications, Robespierre défend à nouveau corps et âme sa conception spirituelle de la République en rappelant l'être suprême. Puis il dénonce encore ceux qui veulent l'abattre et va jusqu'à crier sa lassitude du monde. Ce n'est pas assez pour eux d'avoir éloigné par le désespoir du bien un surveillant incommode. Son existence seule est pour eux un objet d'épouvante. Et ils avaient médité dans les ténèbres, à l'insu de leurs collègues, le projet de lui arracher le droit de défendre le peuple avec la vie. Oh, je la leur abandonnerai sans regret. J'ai l'expérience du passé et je vois l'avenir. Quel ami de la patrie peut vouloir survivre au moment où il n'est plus permis de la servir et de défendre l'innocence opprimée? Pourquoi demeurer dans un ordre de choses où l'intrigue triomphe éternellement de la vérité, où la justice est en mensonge, où les plus viles passions, où les craintes les plus ridicules occupent dans les cœurs la place des intérêts sacrés de l'humanité? Après avoir dénoncé au début de son discours les abus de la terreur, il préconise paradoxalement ce qui engendre ces abus. La loi pénale doit nécessairement avoir quelque chose de vague, parce que le caractère actuel des conspirateurs étant la dissimulation et l'hypocrisie, il faut que la justice puisse les saisir sous toutes les formes. Une seule manière de conspirer laissée impunie rendrait illusoire et compromettrait le salut de la patrie. La fin de son discours approche, et c'est le moment des mises en garde pour le peuple. Il commence par ces paroles étonnamment prophétiques. Laissez flotter un moment les rênes de la révolution. Vous verrez le despotisme militaire s'en emparer, et le chef des factions renverser la représentation nationale avilie. Un siècle de guerre civile et de calamité désolera notre patrie et nous périrons pour n'avoir pas voulu saisir un moment marqué dans l'histoire des hommes pour fonder la liberté. Nous livrons notre patrie à un siècle de calamité et les malédictions du peuple s'attacheront à notre mémoire qui devait être chère au genre humain. Il s'adresse maintenant directement au peuple. Peuple, souviens-toi que si dans la République, la justice ne règne pas avec un empire absolu, et si ce mot ne signifie pas l'amour de l'égalité et de la patrie, la liberté n'est qu'un vain nom. Souviens-toi qu'il existe dans ton sein une ligue de fripons qui lutte contre la vertu publique et qui a plus d'influence que toi-même sur tes propres affaires, qui te redoute et te flatte en masse, mais te proscrit en détail dans la personne de tous les bons citoyens. Rappelle-toi que loin de sacrifier cette nuée de fripons à ton bonheur, tes ennemis veulent te sacrifier à cette poignée de fripons, auteur de tous nos maux et seul obstacle à la prospérité publique. Sache que tout homme qui s'élèvera pour défendre ta cause et la morale publique sera accablé d'avanie et proscrit par les fripons. Que les cris du patriotisme opprimé seront appelés des cris de sédition, et que, n'osant t'attaquer toi-même en masse, on te proscrira en détail dans la personne de tous les bons citoyens, jusqu'à ce que les ambitieux aient organisé leur tyrannie.
Dirons-nous que tout est bien? Continuerons-nous de louer par habitude ou par pratique ce qui est mal? Nous perdrions la patrie. Révélerons-nous les abus cachés? Dénoncerons-nous les traîtres? On nous dira que nous ébranlons les autorités constituées, que nous voulons acquérir à leurs dépens une influence personnelle. Que ferons-nous donc? Notre devoir. Disons donc qu'il existe une conspiration contre la liberté publique, qu'elle doit sa force à une coalition criminelle qui intrigue au sein même de la Convention, que cette coalition a des complices dans le comité de sûreté générale et dans les bureaux de ce comité qu'il domine, que les ennemis de la République ont opposé ce comité au comité de salut public et constitué ainsi deux gouvernements, que des membres du comité de salut public entrent dans ce complot, que la coalition ainsi formée cherche à perdre les patriotes et la patrie. Quel est le remède à ce mal? Punir les traîtres, renouveler les bureaux du comité de sûreté générale, épurer ce comité lui-même et le subordonner au comité de salut public, épurer le comité de salut public lui-même, constituer l'unité du gouvernement sous l'autorité suprême de la Convention nationale qui est le centre et le juge, et écraser ainsi toutes les factions du poids de l'autorité nationale pour élever sur leurs ruines la puissance de la justice et de la liberté. Tels sont les principes. S'il est impossible de les réclamer sans passer pour un ambitieux, j'en conclurai que les principes sont proscrits et que la tyrannie règne parmi nous. Mais non que je doive les taire, car que peut-on objecter à un homme qui a raison et qui sait mourir pour son pays? Je suis fait pour combattre le crime, non pour le gouverner. Le temps n'est point arrivé où les hommes de bien peuvent servir impunément la patrie. Les défenseurs de la liberté ne seront que des proscrits, tant que la horde des fripons dominera. Il a maintenant fini. Il a parlé pendant 2 heures. Une fois son discours achevé, un député demande qu'il soit imprimé et diffusé, une procédure habituelle. Mais immédiatement, un autre député s'y oppose, car ce discours met gravement en cause l'autorité de l'État et de ses représentants, notamment Cambon, du comité des finances, qui, pour ce qui le concerne, a été cité nommément. Cambon sait que s'il ne réagit pas dans l'instant, il court inévitablement à la guillotine. Il n'a plus rien à perdre, et prend la parole d'autorité pour se défendre. Il est le premier à briser le tabou et donne le premier coup contre Robespierre. Il est temps de dire la vérité tout entière. Un seul homme paralyse la volonté de la Convention nationale. Cet homme, c'est celui qui vient de faire le discours. C'est Robespierre. Ainsi jugé. Applaudissements. D'autres députés se lancent ainsi, jusqu'à ce que l'un d'eux demande à Robespierre de nommer clairement ceux qui l'accusent. Il faut avoir celui de la vérité. Nomme ceux que tu accuses. Robespierre répond qu'il n'ajoutera rien. La séance de l'Assemblée est levée et Robespierre a cessé d'être intouchable. Son discours ne sera pas imprimé. Le soir, il est aux Jacobins où il prononce son discours à nouveau. Et te proscrit en détail, dans la personne de tous les bons citoyens. Il y retrouve Collot d'Herbois et Billot Varenne, deux de ses collègues du comité qui se sont attaqués à lui pendant la séance de la Convention. Ils sont tous les deux injuriés par le club, toujours passionnément fidèle à Robespierre, et expulsés brutalement. Robespierre, quant à lui, sachant ses heures comptées, lance des paroles en forme d'adieu à ceux qui ont été pendant des années ses plus proches soutiens. Ce discours que vous venez d'entendre est mon testament de mort. Je l'ai vu aujourd'hui, la Ligue des méchants est tellement forte que je ne puis pas espérer de lui échapper. Je succombe sans regret. Je vous laisse ma mémoire. Elle vous sera chère et vous la défendrez. Au comité de salut public, Saint-Just va veiller toute la nuit pour écrire le discours qu'il doit prononcer le lendemain à la tribune. Dans la soirée, Collot d'Herbois et Billot Varenne font irruption en état de choc et survolté après s'être fait agresser aux Jacobins. Ils s'en prennent à Saint-Just, l'accusant de préparer un réquisitoire contre eux. Ils finissent par se calmer et Saint-Just passera la nuit à finir son discours.
Peut-être le sait-il. Robespierre va passer sa dernière nuit dans sa chambre de chez Duplay. Va-t-il dormir ? Ses ennemis, eux, ne vont pas dormir et vont s'organiser pour l'abattre une bonne fois pour toutes dès le lendemain à la prochaine séance de la convention. Nous sommes maintenant le dimanche 27 juillet 1794, le 9 Thermidor de l'an 2 de la République. Cette date va devenir historique. Le public trépigne à l'entrée de la salle des séances. On ne l'y fera pas entrer, car on a déjà placé dans les tribunes d'autres gens racolés en hâte par les anti-robespierristes. C'est le début de l'après-midi et la séance va s'ouvrir. Saint-Just monte à la tribune. Il entame son discours. Je ne suis d'aucune faction. Je les combattrai toutes. Le cours des choses a voulu que cette tribune au harangue fût peut-être la roche tarpéienne pour celui qui viendrait vous dire que des membres du gouvernement ont quitté la route de la sagesse. J'ai cru et soudain, après quelques secondes, du côté de la montagne, Tallien surgit et l'interrompt. Il hurle et dénonce Robespierre et Saint-Just à mots couverts. Division. Je demande que le voile soit entièrement déchiré. Un immense tumulte mêlé d'applaudissements parcourt la convention. Saint-Just est estomaqué, sans réaction, abattu. Il ne réagira plus. Alors Biot-Varenne intervient à son tour vivement et abreuve l'assemblée de mise en garde et d'accusations dirigées contre l'homme à abattre. Robespierre veut réagir, demande la parole, mais les députés sortis de leur inhibition la lui refusent bruyamment. Ils s'élancent à la tribune en criant contre ses ennemis, mais leur tumulte redouble. Tallien poursuit ses accusations sans faiblir. Robespierre persiste à vouloir intervenir, et c'est maintenant un cri unanime qui tombe des bancs des députés. À bas le tyran. Barrère vient le bousculer à la tribune pour parler à sa place. Robespierre se cramponne, tente toujours de parler, mais cède encore. Barrère fait sa déclaration. Tallien revient à la charge pour poursuivre ses accusations. Robespierre s'agite, va et vient dans tous les sens. Dévisage les députés de la montagne qui le trahissent, les foudroie du regard. Certains tournent la tête, s'assoient, se relèvent, essaient toujours de parler. Mais les députés plus assurés que jamais tiennent bon, et le couvre de cris et d'injures à chaque fois. Pour la dernière fois, président d'assassins, je demande la parole. Face au vacarme, Robespierre s'épuise en efforts désespérés. Il cherche des yeux le soutien des tribunes, le soutien du peuple. Mais celui-ci a été soigneusement sélectionné. Il abandonne. Un député finit de briser le tabou et demande l'arrestation de Robespierre. Un autre enchérit. Il demande la mise en accusation. Augustin demande immédiatement à partager le sort de son frère. La double arrestation est votée à l'unanimité et étendue à Saint-Just et Couthon. Un dernier fidèle de Robespierre, Lebas, vient s'ajouter de lui-même à la liste. Saint-Just, en se rendant, dépose les feuillets de son discours sur le bureau du président de la séance. Ce discours, malgré des accusations contre Biot-Varenne et Collot d'Herbois, prenait l'entente et plus de modération. S'il avait pu le prononcer entièrement et le faire approuver, ce triomphe personnel aurait eu des conséquences incalculables. Gendarme, faites votre devoir. Il est à peu près 16 heures, et Robespierre et ses proches sont emmenés par les gendarmes de la Convention sous les vivats de celle-ci. En attendant qu'on décide quelle suite donner à l'événement, ils sont conduits dans les locaux du Comité de Sûreté Générale, où on leur servira un repas en début de soirée. Du côté de la commune, à l'hôtel de ville, l'incroyable nouvelle de l'arrestation de Robespierre et d'autres patriotes est parvenue. Immédiatement, on appelle les sections des sans-culottes à l'aide. Et Henriot, le commandant de la garde nationale de Paris, part en direction des Tuileries pour délivrer les prisonniers. Arrivé sur place, il sera décrété d'arrestation à son tour et neutralisé par ses propres hommes. Du côté des sections, celles-ci sont très hésitantes. Qu'il
certaines décident de ne rien faire ou de se ranger du côté de la Convention. Si bien que seulement 17 sur 48 répondent à l'appel de la Commune et envoient des hommes sur place. Autour de 20h, l'hôtel de ville envoie un deuxième bataillon, beaucoup plus fourni, au secours des prisonniers. Mais ceux-ci ont déjà été emmenés. On ne trouve qu'Henriot, ligoté, qu'on délivre. Ce bataillon, accompagné de centaines d'hommes des sections, aurait pu investir la Convention et tout simplement changer le cours de l'histoire. Mais ils ne feront rien et retourneront à l'hôtel de ville. Les prisonniers, quant à eux, sont séparés et répartis dans différentes prisons pour limiter les tentatives de coups de force. Ce sera la prison du Luxembourg pour Robespierre. Mais sur l'ordre de la Commune, le concierge refuse de l'y admettre. Alors on le conduit à la mairie du quartier où l'attendent des administrateurs amis. Il peut alors se considérer comme provisoirement sauvé. Il semble qu'il est dans l'idée de diriger une insurrection à distance et commence à faire partir différentes consignes pour la préparer. Alors que la soirée s'installe, il reçoit un message de la Commune lui demandant de la rejoindre. On peut supposer qu'au fond, il ne sait pas quoi faire. Rester dans la légalité et mourir, ou sauver sa peau en agissant contre la représentation nationale. Au deuxième message de la Commune le suppliant de venir, il se décide à y aller. Pendant ce temps, la Convention se met à paniquer. Le terrible Robespierre, à qui on avait fini par s'attaquer, a réussi à se soustraire à elle. Les députés doivent se ressaisir immédiatement, car certains savent qu'ils seront perdus si Robespierre et ses amis reprennent le dessus. Ils décrètent alors contre eux et contre les membres de la Commune la sanction la plus grave, la mise hors la loi. Cela signifie que tous les concernés qui seront pris seront purement et simplement exécutés sur simple reconnaissance, sans procès. Robespierre arrive à l'hôtel de ville un peu avant 23h. Et y retrouve son frère et Saint-Just. Couthon sera appelé plus tard. Plusieurs heures vont s'écouler sans que rien ne se passe. Les représentants de la Commune prennent des décisions sans intérêt, brassent beaucoup d'air. Pendant ce temps, en bas, sur la place de grève, les quelques centaines d'hommes issus des sections qui ont répondu à l'appel attendent. Plusieurs heures passent ainsi, et vers minuit, voyant que toujours rien ne se passe et qu'aucun ordre n'arrive, les hommes commencent à partir progressivement pour rentrer chez eux. De toute manière, Robespierre sait maintenant qu'il est déclaré hors la loi. Tout est perdu. Et quand bien même arriverait-il à renverser la situation, ce ne serait qu'en marchant sur la Convention avec une force armée, et il s'en refuse le droit. Le peuple seul aurait ce droit, mais le peuple n'est pas là. Et puis vouloir renverser la situation, c'est faire fi de son état d'épuisement avancé. Or, il est allé au bout de ses capacités d'encaissement, il ne peut rien de plus. Alors sans doute attend-il que tout se finisse pour de bon tout en signant machinalement les papiers de la Commune qui se présentent à lui. Il est 2h du matin, la place de grève est maintenant totalement vide. C'est à ce moment que les hommes en armes de la Convention surgissent et investissent l'hôtel de ville. La confusion est totale et un coup de feu retentit. Robespierre est blessé. La balle l'a atteint au visage et lui a fracassé la mâchoire. Jamais on ne saura si c'était une tentative de suicide ou un tir du gendarme qui venait vers lui. Son frère Augustin se défenestre mais survit. Couthon dans sa chaise roulante est balancé par les gendarmes du haut du grand escalier. Saint-Just se laisse arrêter sans résister. Tout est terminé. On emmène tout le monde au comité de salut public d'abord, à la conciergerie ensuite, où Robespierre, atrocement blessé, et ses autres compagnons vont attendre toute la journée du 10 Thermidor le moment de leur exécution. Robespierre reste étendu sur une table, la tête bandée pour retenir sa mâchoire brisée, résistant contre la douleur qu'on imagine insoutenable. Les reconnaissances ont été faites, et en fin d'après-midi, c'est le moment d'emmener les condamnés sur la place de la Révolution pour les guillotiner. Augustin et Couthon, les membres brisés, endurent un terrible martyre à chaque secousse des charrettes.
Robespierre restera stoïque, gardant la plupart du temps les yeux fermés, ne les rouvrant que lorsqu'on le fera monter sur l'échafaud. On a dit avoir vu son visage parcouru d'une profonde douleur au moment où son jeune frère a été exécuté. C'est maintenant son tour. On l'attache sur la bascule de la guillotine. Le bourreau, pensant que son bandage risque de gêner, le lui arrache brutalement, lui faisant pousser un cri inhumain. Un témoin a raconté que sa tête n'offrit plus qu'un objet monstrueux et dégoûtant. Voilà, Robespierre n'est plus. Il avait 36 ans. Lui et ses compagnons seront ensevelis dans une fosse commune du cimetière des Erancy, au nord de Paris, sous une couche de chaux vive pour que leur corps disparaisse à jamais. Ce jour-là, on va exécuter 22 robespierristes et autres membres de la commune, et d'autres encore les jours suivants, en tout 106 exécutions. Après avoir été réduite au silence pendant 2 ans, la bourgeoisie va reprendre la main. La révolution inacceptable, celle du petit peuple pour lui-même, est finie. La loi du maximum sera abolie, ainsi que le suffrage universel, et une nouvelle constitution plus convenable pour la propriété et la liberté économique sera établie. La constitution de 1793, définitivement oubliée. La République elle-même finira par périr quelques années plus tard, et la mémoire de Robespierre, bien qu'indéniablement tachée de sang, sera dans sa globalité abattue par la seule histoire qui tienne, celle des survivants, celle des vainqueurs de Thermidor. Thank you.
Thank you.